Oh mon bibi. Oh là là. Oh là 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 là. Mes amis, c'est bon, je l'ai ramené. Regardez, il est tout mignon. Il est tout mimi. Ça faisait 2 ans que j'en voulais un. 2 ans que je me suis dit, putain, je vois plein de gens qui en ont un. Je vois plein de gens qui kiffent leur vie avec un petit chat. Et enfin, j'ai le mien. On bat les couilles, frère. Aïe, aïe, aïe. Du coup, je vous présente Mystory. Mystory, Bon, en fait, c'est un ninja. À la base, en fait, il est né en étant né. Bon, je vous présente Mystory, les amis. Ça fait 2 semaines que j'ai mon petit Mystory avec moi. 2 semaines que je suis comblé de bonheur. Comme je vous ai dit, ça faisait hyper longtemps que j'en voulais un. Enfin, j'ai un petit chaton. Un petit chaton. Regardez comment il est tout mignon. Je lui ai acheté son petit arbre-chat et tout. Donc, ceux qui me suivent en live sur twitch.tv, /TV, savent que j'ai cet arbre-chat depuis pas mal de temps. Et que du coup, on le voit dans le décor et tout, bref, c'est trop cool. Et il a eu 3 mois, il y a de ça pas hyper longtemps en plus. Et voilà, je le trouve trop mignon, je l'aime trop, vraiment, je l'aime trop. C'est mon premier animal de compagnie de toute ma vie. Avant ça, je vous fais un petit tour avec Mystory. Mystory, hop, 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 regardez, regardez. Mystory, il a une sensibilité hyper élevée, hein. Mystory, il a une sensibilité hyper haute, regardez. Regardez, regardez. Oh, Mystory, 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 Mystory. Alors, pour ceux qui me demandent pourquoi le prénom Mystory, c'est le premier nom qui m'est venu en tête quand je me suis dit, faut que j'adopte un chat. Et du coup, je l'ai gardé, je trouve ça trop mignon. Non, non, tu vas pas faire le saut, tu vas pas faire le saut, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Bon, là, j'ai son trou de balle dans la gueule. Oh, regardez-le, regardez-le. Qu'est-ce qu'il est beau, il est pas trop beau. Mystory, dis bonjour à la caméra. Voilà, Mystory, regarde, ici. Voilà. Je l'aime trop. Je l'aime trop, trop. Vous savez que je l'aime trop, genre vraiment. Malade. C'est un malade. Allez, hop, hop, hop. Hop, Mystory, hop, 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 hop. Allez. Allez, allez, allez. On monte sur la brocha. On monte sur la brocha. Allez. On monte sur la brocha. Hop, hop. Allez, encore un peu, encore un peu. Voilà, Mystory, t'es le plus fort. Allez. Voilà, Mystory. Allez, tiens, c'est à toi. Voilà, Mystory. Et aussi, petit truc, par rapport à cette petite boule de poils trop mignonne, c'est que quand je dors le matin et que lui se réveille avant moi, comme il n'a pas de frère ou de sœur chaton pour, tu sais, s'entraîner à mordre et tout dessus, bah c'est moi qui mords. Je suis sa salope, en fait. Je suis sa victime. Du coup, tous les matins, il vient sur ma jambe et il me mord. Il me mord, il me mord. Il mord ma jambe, ma cuisse, mes genoux, mes bras, tout, tout, tout. Du coup, je suis obligé de pleurer, genre de faire genre, tu sais, que j'ai trop mal. Du coup, je pleure pour qu'il arrête. Ah oui, aussi, ce qui se passe... Vous voyez quand je joue, il monte. Qu'est-ce que je viens de faire tomber? Il monte sur mon bureau. Jusque là, tout va bien. Non, tout va mal. Tout va mal parce qu'il monte sur mon bureau. Des fois, il monte sur mon clavier. Il appuie sur toutes les touches. C'est la merde. Il monte sur ma souris. Il vient sur ma main. Il me lâche la main. Ou bien il mord la main. Mystory, décale Mystory, sérieux ça. Mystory, Mystory, arrête. Voilà, mais Mystory, je peux rien te faire parce que... Bref, il fait ce qu'il veut. En fait, il croit vraiment qu'il est chez lui. En fait, il est chez lui. T'es chez toi ou pas, Mystory? Ouais, je crois qu'il est chez lui. Et du coup, un jour, j'étais en live et je suis mort à cause de Mystory. Mais comme je l'aime trop, j'ai rien pu lui dire parce que sinon j'allais trop me sentir mal. Je peux même pas lui dire Mystory, t'es trop méchant parce que sinon après je vais trop me sentir mal de lui dire ça. Je l'aime trop. Vous savez que je l'aime vraiment beaucoup trop, genre. Genre je l'aime trop, trop, trop. Je l'aime trop à tel point de, t'sais, de des fois faire le Google avec lui, genre en mode Gagaga Mystory. Mystory Gagaga. Ah mais regardez, là, oh, là regardez, il veut pas venir. Là il veut pas venir avec moi. Mais regardez, petite technique pour que Mystory vienne avec moi. Dès que je fais ce petit bruit là, vous voyez, regardez là, c'est la boîte de son pâté. Regardez, 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 regardez. Mystory, Mystory, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Mystory? Hein, c'est quoi ça? Au début, quand je l'avais, il était vraiment, mais vraiment pas apte à venir se coller avec moi. Genre, venir des caresses et tout. Dès que j'approchais ma main, il se barrait. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Non, au bout de quelques jours même, c'était beaucoup plus simple. Genre, je pouvais lui faire des caresses et tout, mais au début, c'était impossible. J'ai dû attendre plusieurs jours avant qu'il puisse se dire, putain, Nardine, en fait, il est sympa. C'est lui qui va me nourrir. C'est lui qui va me loger. C'est grâce à lui que je vais boire. C'est grâce à lui que je vais dormir. C'est grâce à lui que je vais jouer. Et moi, pendant ce temps-là, j'aurais rien à faire. Miaou, miaou. Miaou, miaou, pas miaou, miaou.
Miam miam. Miam miam ou pas miam miam history. Hein. Miam miam. Bref, voilà, je suis vraiment novice dans le domaine des animaux. Et je lui ai acheté une litière de luxe. Je lui ai acheté une putain de litière, les mecs. Je vous mets la photo juste ici. Je lui ai acheté une de ces litières, elle est incroyable. Et je lui ai acheté du pâté gold. Vous voyez, c'est le pâté en or, genre. C'est du super pâté, genre. Et je lui ai acheté du super pâté, les amis, regardez. Je lui ai acheté des croquettes, je lui ai acheté une litière, mais incroyable, quoi. C'est un truc de ouf. Tous les jours, il s'amuse. Quand il s'amuse, bah, il dort. Et quand il dort pas, il mange. Et quand il mange pas, il boit. C'est quoi cette vie? Bah, il a fait trop ce petit vide de papier. Très bonne idée, d'ailleurs, qu'il a. C'est que quand il vient de chier, il va vers qui? Vers qui est-ce qu'il court? Où est-ce qu'il va? Dans mon lit. Bien évidemment, pour répandre son odeur d'excréments partout dans mon lit. Il vient de chier, hein, vraiment. Il vient de lâcher sa plus grosse crotte. Sa première réaction? Tiens, miaou miaou. Ici, j'allais dans l'île Nordine. Ah, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un purificateur d'air. J'ai beaucoup de chance que Mistouri ne soit pas là. Hein. Là, heureusement, il est en train de manger parce que sinon, il me casserait les couilles, là. Waouh. Oh, c'est beau. What the fuck, qu'est-ce que c'est beau? Regardez à quoi ça ressemble. Putain, c'est beau gosse en vrai. Hein. C'est stylé. On est vraiment sur le style, quoi. Quand je vous disais qu'il fait n'importe quoi, Mistouri. Regardez-le. Mistouri. Regardez où il s'est mis, mais. Ah. Allez, sors. Sors de là. Allez, sors de là. Petite boule de poil. Il va se dire, mais wesh. Comment ça, ça bouge tout seul? Mais c'est pas normal, ça. Attends. Mais. Je suis dans un faisceau spatial. Mais je suis un super héros. Hey, Mistouri, t'es un super héros. Je l'ai mis dans ma pièce de setup, comme ça je pourrais faire des vidéos de manière plus qualitative. Je l'allume. Ok, petit bruit d'allumage cool. Il y a de l'air qui sort. J'appuie sur tous les boutons là. Là, je suis en train d'appuyer sur tous les boutons. Ok, je comprends pas tout. Mais je vais essayer de le configurer. Et je verrai ça après. Bon, en tout cas, les potes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, je vous ai montré comme quoi j'avais un nouveau petit compagnon dans ma vie qui va m'accompagner pendant pas mal de temps, j'espère en tout cas. Je suis très content d'avoir Mistouri avec moi parce que ça faisait énormément de temps que je voulais un chat. Déjà au Maroc, je voulais en avoir un, mais c'était un peu compliqué. Du coup voilà, enfin j'en ai un, j'espère qu'on va pouvoir le voir grandir tous ensemble. Je vais pouvoir partager plein de vidéos avec vous et tout, avec lui. Et que voilà, on va passer de bons moments ensemble, ça me fait hyper plaisir en vrai, vraiment, vous savez pas à quel point. Allez sur mes lives sur twitch.tv/maskiltv, le lien est en description tous les jours à 18h. Il est souvent sur mes lives et tout, c'est hyper drôle, on passe beaucoup de moments ensemble et tout avec lui, du coup voilà. Ciao les frérots, bisous, c'était UMS, ciao, code UMS.